Vas-y, tu fais, filme-moi. Ça ne risque pas de fonctionner, j'ai des chaussures. Voilà, et puis il faut que... Est-ce que vous avez trouvé une valeur autour de 6 000 secondes comme vous êtes frappé dans les bars? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, je sais pas, j'entends absolument rien, ça m'énerve, c'est de ça, on n'entend rien du tout. Faudrait améliorer ça quand même. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que le son tout d'abord? Le son est une onde mécanique qui se propage dans toutes les directions sur un principe de compression-décompression de la matière. Étant mécanique, elle ne peut pas, par définition, se déplacer dans le vide. On mesure son intensité à l'aide d'une unité de mesure, le watt par mètre carré. Le niveau sonore, lui, s'exprime en décibels. Le décibel est une unité logarithmique qui se base sur l'intensité sonore, qui s'exprime, elle, en watts par mètre carré. L'échelle se définit par l'intensité est égale à 10 fois logarithme décimal fois le rapport entre l'intensité relevée et l'intensité minimale audible, qui est une constante de valeur 1.10-12 watts par mètre carré. Le nombre de décibels diminue avec la distance. Dans une salle, le son se propage selon deux champs qui ensemble forment un champ sonore. Le champ direct, où l'onde traverse un lieu sans rencontrer d'obstacles, et le champ diffus, où l'onde rencontre des obstacles et se réverbère. Le système auditif conduit les vibrations vers les différents milieux de l'oreille. Cette dernière est divisée en trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Tout d'abord, le son, arrivé dans l'oreille, fait vibrer le tympan. Puis la vibration est amplifiée par les osselets présents dans l'oreille interne. Enfin, ces vibrations sont transformées en impulsions nerveuses envoyées au cerveau. Voici les conditions de course en H39. Et maintenant, voici celles en R209, en salle de laboratoire. Afin d'observer les différences acoustiques entre une salle de cours réputée pour sa forte résonance et une salle de laboratoire, nous avons réalisé une série de mesures. Tout d'abord, à 1 mètre de distance d'une source sonore de volume invariable, puis à 6 mètres dans chacune des deux salles, afin d'observer les différentes pertes de volume selon les salles. On constate que dans la salle de laboratoire, les pertes sont plus importantes. On passe de 82,5 décibels à 1 mètre, à 63,8 décibels, soit une perte de 18,7 décibels. Tandis que dans l'autre salle, on passe de 83,3 décibels à 70,4 décibels, soit une perte de 12,9 décibels. Ces deux salles présentent des différences notables, qui sont leur dimension, la température et les matériaux qui la composent. Désormais, une question se pose. Comment améliorer l'acoustique dans ces salles? Les dimensions de la salle peuvent influer, car dans une salle plus longue, le son perd son intensité et la distance. Néanmoins, changer la forme et les dimensions d'une salle est difficile et coûteux. Il faut donc s'orienter vers d'autres moyens d'améliorer l'acoustique. La température est également un facteur pouvant influer sur le son. En effet, la célérité du son diminue si la température est basse. Mais ce facteur est négligeable car l'influence reste minime. Et il est impossible de changer la température d'une salle de plusieurs degrés sans qu'elle ne devienne invivable et sans engendrer des coûts très élevés. Le facteur le plus intéressant serait la compressibilité des matériaux. En effet, plus un matériau est dense, plus le son sera réverbéré, et plus le matériau sera léger et sa densité faible, plus le son sera absorbé. Nous avons constaté que dans les laboratoires, les matériaux qui constituaient le faux plafond étaient des matériaux très légers et quasiment mous. Nous en avons ainsi déduit que changer le faux plafond pourrait permettre au son de mieux se propager dans la salle. Afin de valider le facteur sur lequel nous travaillerons, nous avons contacté un professionnel. Dans le cas d'une salle de TP ou une salle de cours, on veut quand même entendre une partie du son. D'arrêter le son, mais bien de le rendre propre et pas trop long. Juste à la bonne dimension de réverbération pour que partout dans la pièce, on l'entend bien et on l'entend pas trop longtemps. Juste le temps de le comprendre. Juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Faut trouver l'équilibre à chaque fois pour chaque pièce. Une sorte de répartition du son, qui est une sorte de répartition du son, on l'a rendu propre s'il y avait trop de basses, trop d'aigus, ou pas assez de médium, tu vois, en fait, c'est à ça que se sert le faux plafond. Ouais, dans notre pièce, par exemple, on n'a aucune intelligibilité quand on est au fond de la classe, mais pas à cause justement de l'écho, mais parce qu'il n'y a aucun écho. Enfin, exactement. Il faut qu'il y ait en fait compte une portée du son, c'est-à-dire que le matériau qui est au-dessus du professeur au moment où il parle, il faudrait qu'il soit suffisamment
dense, hein, bien évidemment, parce qu'il y a la densité, oui. On a vu qu'il jouait sur la faculté du son à se propager, hein, je reviens à la valeur de caoutchouc. Donc il faut qu'il soit pas trop amortissant au-dessus du professeur. Nous avons ainsi été dirigés vers l'étude de l'influence des matériaux. Dans la première expérience, on cherche à calculer un coefficient d'absorption alpha sabine. Ce dernier se calcule à partir de intensité absorbée sur intensité émise, avec intensité absorbée est égale à intensité émise moins l'intensité réfléchie. Il exprime la part du son absorbé par un matériau. Pour cela, on réalise le montage suivant. Un générateur, qui est un boîtier qui permet de contrôler le son, une enceinte qui permet de le diffuser, un micro pour capter le son, et enfin un oscilloscope afin de relever les résultats. On mesure à une même fréquence et à un même volume sonore l'intensité du signal capté à une distance D de 15 cm, puis 2D de 30 cm en ligne droite. On mesure ensuite l'intensité du signal à la distance D de 15 cm avec le matériau, ce qui correspond à une distance 2D avec la réflexion du son. Cette expérience a pour but de comparer les résultats et d'en déduire l'intensité absorbée par le matériau. Cependant, le récepteur capte les ondes émises par l'enceinte car le son est multidirectionnel. L'expérience est donc un échec puisque l'on ne capte pas forcément les ondes réfléchies. Dans le même but que l'expérience 1, on réalise cette fois-ci l'expérience avec des ultrasons car ces derniers sont unidirectionnels et ne parasiteront pas le récepteur. On réalise le même montage avec un générateur, un émetteur ultrason, un récepteur et un oscilloscope. On parvient à obtenir toutes les mesures souhaitées, cependant, l'unité de ces mesures est en volts. Or, le calcul du coefficient d'absorption alpha sabine nécessite des mesures en watts par mètre carré. L'expérience est donc encore un échec. Pour réaliser les expériences qui suivent, nous avons fabriqué une superbe boîte anti-plaquée. Sa longueur de 70 cm, sa hauteur de 15 cm et sa largeur de 30 cm en font une parfaite caisse de résonance. C'est le... Dans la troisième expérience, on veut montrer que les matériaux influent sur le volume sonore. On utilisera pour cette expérience plusieurs matériaux différents afin d'avoir un nombre de mesures satisfaisant. Un sonomètre mesurera le volume sonore présent dans la caisse lors de l'émission d'un son continu de volume constant. La caisse permet de supprimer tous les facteurs variables extérieurs et de n'en garder qu'un seul, le matériau d'une des faces. On relève ensuite les résultats obtenus avec les différents matériaux, léger, moyen, lourd, le carrelage et du faux plafond. Nous avons effectué plusieurs séries de mesures et nous avons calculé la moyenne pour s'assurer des résultats enregistrés. Avec le faux plafond de labo, l'intensité sonore n'atteint que 91,5 décibels, tandis qu'avec le faux plafond de forte densité, le sonomètre mesure jusqu'à 95,4 décibels. Ici, le faux plafond de densité 0,16, le plus léger, a absorbé une plus grande partie du son émis que le faux plafond de densité 1,13, donc ce dernier réverbère mieux le son. On déduit donc que ces différences sont dues à la densité des matériaux. Il y a donc un lien entre la capacité d'absorber plus ou moins les ondes sonores et leur densité. Maintenant, toujours avec le même matériel, on veut mesurer le temps de réverbération des différents matériaux. On utilise un métronome. Le bruit sec produit permet d'observer le temps de réverbération de l'onde émise. Dans la même boîte utilisée dans l'expérience précédente, on y place de même les récepteurs et l'enceinte. On effectue des séries de mesures avec les matériaux utilisés comme surface d'un côté de la boîte et on en fait la moyenne pour obtenir des résultats précis. À l'aide du logiciel Audacity, on observe les résultats. On constate que l'enregistrement est corrompu par des bruits parasites. On ne prend donc pas en compte ces petits pics dans les résultats de l'expérience. On a relevé plusieurs mesures qui ont donné approximativement les mêmes résultats. Avec le faux plafond de densité 1,13, donc le plus lourd, du fait de sa capacité à mieux réverbérer le son, l'onde émise se réverbère pendant 0,21 secondes.
alors qu'avec le faux plafond de densité 0,16, absorbant, l'onde ne se réverbère que pendant 0,09 secondes. Avec le faux plafond de labo, le temps de réverbération est plutôt faible, de 0,10 secondes seulement. Quant au faux plafond intermédiaire de densité 0,39, le temps de réverbération est de 0,15 secondes. Pour que l'intelligibilité soit bonne, il faut que le son puisse se propager suffisamment pour être interprété. Donc, si le temps de réverbération est faible, cela signifie que le son n'a pas pu se propager assez. Au contraire, si le temps de réverbération est trop long, l'information sonore se retrouve incompréhensible à cause de la résonance. Ainsi, nous avons vu les différentes capacités des matériaux à réfléchir et à absorber le son. Pour donner un ordre d'idée, dans un cas général, un matériau dur et dense absorbe environ 60% du son et en fait réfléchir environ 40%. Tandis qu'un matériau mou et peu dense absorbe environ 90% du son et n'en réfléchit que 10%. Nous l'avons vu, le son se propage dans toutes les directions et se réverbère sur les parois qu'il rencontre jusqu'à s'éteindre. Or, avec un matériau mou et de faible densité comme le fond plafond des laboratoires, le son est en grande partie absorbé. Il perd donc plus vite de son intensité. Utiliser un matériau plus dur et de forte densité serait donc ainsi une solution efficace pour améliorer l'acoustique des labos. De plus, lors du contact avec le professionnel, pour obtenir quelques précisions à propos de la mise en place de faux plafonds plus adaptés. Dans l'idéal, ça m'est arrivé de prescrire avec des architectes pour des salles de TP qui étaient plus grandes, qui faisaient 80 mètres carrés et 270 mètres cubes, je ne sais plus, enfin, etc. On a mis un plafond qui était différent dans le premier tiers de la pièce au-dessus du professeur et un autre plafond différent sur le reste de la salle. Et tout au fond, on a mis un vide très absorbant. Nous avons conclu que pour améliorer l'intelligibilité, il faudra environ un tiers de la surface de produit à forte densité, autour de la source vocale, et le reste de la salle avec un produit absorbant à très faible densité. Cela permettrait que la voix du professeur se diffuse dans la salle en perdant le moins d'intensité possible, tandis que les bruits de fond provenant du reste de la salle sont réduits, tout en évitant également l'écho. Maintenant que nous savons comment améliorer l'acoustique des laboratoires, il ne reste plus qu'à appliquer les solutions. Même si le coût peut paraître important, le résultat sera profitable à la fois aux élèves et aux professeurs. Et de plus, l'investissement sera très intéressant à long terme.